On est lundi et on se retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog. On est lundi soir, il est 21h passé donc je vous prends, il fait à moitié noir mais ça va encore sans allumer les lumières. Donc on se retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog, une semaine donc qui débute ce soir puisque je suis donc en congé sur la journée de demain pour tout simplement pour souffler un peu, pour avancer un petit peu aussi sur le chantier, en profiter pour voir mes amis et puis me poser parce que en ce moment j'ai très peu de temps pour le faire, je pense que ça se voit à mes cernes, à ma tête. Bref, toujours est-il que je commence aujourd'hui une nouvelle lecture. Une lecture que je fais donc en lecture commune avec Cécilia du conte Cécilia Cherry Blossom, mais je ne vous la présente plus, je pense. Il s'agit donc d'un roman que j'avais reçu de la part des éditions Mazarine. Donc c'est un service presse. Il s'agit des 100 ans de Lénie et Margot de Marianne Cronin. Cronin, je ne sais pas très bien comment ça se prononce, je pense que c'est Marianne Cronin. Je vous lis du coup la quatrième de couve que je redécouvre avec vous. La vie est courte. Lénie, du haut de ses 17 ans, le sait mieux que personne. Les médecins sont formels, ses jours sont comptés. Pourtant, elle est bien décidée à montrer au personnel de l'hôpital de Glasgow qu'elle n'en a pas encore fini avec la vie. Pendant un cours de peinture, elle rencontre Margot, 83 ans, une bonne humeur constante et un esprit de contradiction affûté. Elle aussi est arrivée au dernier chapitre de son existence. Quand elles se rendent compte qu'à elles deux, elles ont 100 ans, c'est une révélation. Pour chacune de ces années, Lénie et Margot décident de peindre un tableau. Pour chacun de ces moments remplis d'amour, de rire ou de larmes, mais surtout de souvenirs inoubliables qu'elles vont se raconter jour après jour. Car même si leur histoire commune touche à sa fin, elles ont l'intention de profiter de la moindre minute jusqu'au dernier instant. Et donc c'est une histoire qui me tente beaucoup. Déjà j'aimais beaucoup cette couverture assez colorée, assez optimiste, contrairement au sujet apparemment dont il est question. Si vous me suivez, vous savez aussi que la maladie, la mort, la fin de vie, c'est des sujets que je n'apprécie pas en littérature parce que... tout simplement, j'ai envie de lire tout sauf ça. C'est des sujets avec lesquels je ne suis pas très à l'aise. Mais j'avais fait une exception pour celui-ci parce que justement, il me tentait bien et que visiblement, on était sur un angle, voilà, comme je l'ai dit, plutôt optimiste. Donc, j'attends de le découvrir. Je n'ai absolument pas commencé. Je viens de rentrer, donc je vais pouvoir m'y mettre ce soir. Et du coup, je vous en reparlerai au fur et à mesure de ma lecture. Donc, je pense que je vous prendrai demain puisque je serai à la maison. Et voilà, je vous en dirai des nouvelles une fois que je l'aurai commencé ce soir. Et puis, c'est tout pour moi. Et je vous dis à demain.
Samedi, je suis donc chez mes parents. Pas beaucoup de temps à vous consacrer, pas énormément de choses à vous dire. Du coup, ce sera un tout mini vlog, simplement pour vous faire un update lecture sur ma lecture en cours. Donc, je vous mettrai la couverture ici, si j'y pense. À savoir donc les 100 ans de Léni et Margot de Marianne Cronin que je lis en ce moment, donc aux éditions Mazarine. Et pour l'instant, c'est une lecture que j'aime énormément. J'ai lu l'équivalent de 300 pages quasiment, il en fait 400, donc il doit me rester une petite centaine de pages et je passe un très 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 agréable moment. Donc je crois que je vous avais parlé de la quatrième de couverture. Nous suivons donc deux personnages que sont Léni et Margot, donc deux femmes, Margot qui a 83 ans, Léni qui en a 17, elles deux, elles ont 100 ans. Et elles vont décider de peindre un tableau pour symboliser ces 100 ans qu'elles ont en commun. Et donc ça va être l'occasion pour elles de se raconter tout simplement leur vie, les passages marquants de leur vie, tout ce qu'elles considèrent comme ayant contribué à la personne qu'elles sont devenues. Et voilà, et donc c'est un récit plein d'humanité, plein d'humour, vraiment, malgré la thématique qui est relativement triste, puisqu'il est question de maladie, de fin de vie, de vieillesse de manière générale, et pas que dans le cas de Léni. C'est un sujet, vous le savez, donc je me répète, mais vous le savez, je suis pas très à l'aise avec ça et j'appréhendais un petit peu cette lecture. J'avais pas du tout envie d'une lecture larmoyante ou quelque chose de très triste. Et pour l'instant, c'est pas du tout le cas en fait. Vraiment, on a le personnage de Margot qui est assez haut en couleur et qui est très réconfortant, très bienveillant, et celui de Léni qui, du haut de ses 17 ans, est super, super mature, fait preuve de beaucoup d'autodérision, de beaucoup d'humour, parfois de l'humour noir. Et c'est très, très, très agréable. Vraiment, je passe un super moment. C'est assez drôle de se dire que finalement on aborde des thématiques vraiment pas évidentes, mais qu'on arrive quand même à mettre de l'humour là-dedans et de l'humour qui fait vraiment rire. Donc voilà, pour l'instant c'est une très bonne découverte. Ça remet en question pas mal de choses dans nos vies personnelles aussi, sur notre vision des choses où il y a des fois. Ben, personnellement, et je pense que c'est le cas de tout le monde en fait, on se plaint de ce qu'on a, on se plaint de petits maux alors que derrière les choses pourraient être bien pires et qu'il y a des gens qui sont confrontés à des situations affreuses, notamment quand on nous annonce qu'on a la maladie incurable ou ce genre de choses, et qui réussissent quand même à profiter de chaque instant de la vie. Et voilà, donc ça questionne un peu aussi notre jugement et notre perception, et je trouve ça assez beau. Donc voilà, donc je vous en reparlerai peut-être si je le termine. Je ne suis pas sûre de le terminer d'ici demain, peut-être demain soir, ça dépendra quand je clôture ce vlog. On est donc chez mes parents pour le week-end, mais je ne sais pas si j'aurai beaucoup de temps pour lire. Je vais surtout profiter du jardin, de la piscine, ce genre de choses. Et voilà, donc je vous reprendrai dès que possible et peut-être pour un update lecture. Pas de réception cette semaine, de toute façon, si c'était le cas, je vous l'aurais montré. Et voilà, donc à plus tard. On est dimanche, je viens de rentrer, on est dimanche soir. Désolée pour ma tête. J'ai un petit chat qui est très content de me retrouver, donc il va être glu, je pense, pendant cette vidéo. Donc je vais vous prendre très brièvement. Alors tout d'abord, je m'excuse parce que j'ai commencé à monter le vlog dans la voiture, donc pendant le retour. Et en fait, c'est un mini micro-vlog. J'ai presque hésité même à vous le poster, mais bon, je me suis dit que si je le faisais pas, ça m'en ferait un plus long à faire la semaine prochaine et que finalement, bah, y a des fois, vous préférez en avoir un une semaine, enfin chaque semaine, quitte à ce que il soit un peu moins long. Par contre, Maglu, tu prends un petit peu de place là. Voilà. Donc bref, c'est un vlog peu livresque puisque j'ai peu lu cette semaine.
J'ai passé beaucoup de temps dans les travaux. Enfin, c'est voilà, on a eu pas mal de petites déconvenues, on va dire ça comme ça. Et ça fait partie du jeu, donc je pense que ça se voit à ma tête. Je suis un peu fatiguée, donc j'en ai profité ce week-end. On est parti chez mes parents et on s'est ressourcé un petit peu en famille. Ça a été l'occasion de prendre des couleurs. Je pense que ça se voit un peu ici. Et voilà, donc on rattaque la semaine, je l'espère, sur de meilleures bases. Normalement, cette semaine, je serai à Paris peu de temps, normalement, enfin, une seule nuit. Donc voilà, bref, c'était la première parenthèse. Donc, pas énormément d'update lecture par rapport à ce que je vous ai dit samedi. D'ailleurs, j'étais habillée pareil, bref. Donc, je suis toujours dans ma lecture des 100 ans de Léni et Margot de Marianne Cronin. Et j'adore cette lecture, c'est simplement que j'ai pas le temps de lire en ce moment. Hier soir, je me suis endormie comme une masse, j'ai pas du tout réussi à lire. Donc voilà, j'ai peu avancé. Aujourd'hui, j'ai profité de la journée en famille pour dormir, faire la grasse mat, profiter du soleil, de mes parents, tout ça. Donc c'est vrai que j'ai peu avancé aussi. Je vais essayer de m'y remettre ce soir, même si j'ai pas mal de choses à faire ici, des machines, enfin ce genre de choses, la vie continue. Mais voilà, je passe un très agréable moment. Comme je vous l'ai dit, j'avais peur de cette thématique. Et pour l'instant, c'est pas du tout larmoyant. Au contraire, c'est plein d'optimisme, plein de bienveillance, etc. Et voilà, et c'est un roman vraiment à la hauteur de sa couverture, c'est-à-dire coloré, lumineux aussi, et ça fait du bien. Donc je vous en reparlerai peut-être ou peut-être pas dans le prochain vlog, une fois que je l'aurai terminé. Peut-être que mon avis différera sur la fin, mais pour l'instant, voilà, c'est une lecture très sympathique que je partage donc en lecture commune avec Cécilia, qui elle, bien sûr, l'a terminée. Elle l'a terminée en 3 jours, et j'avoue qu'on était partis sur la même base. On avait le même rythme de lecture, mais en fait, mon rythme a vraiment chuté en fin de semaine. Et voilà, on a Gus qui fait un bazar pas possible en arrière-plan. Bref, donc je vous en reparlerai. Mais du coup, merci Mazarine pour cette découverte, parce que pour l'instant, c'est un très chouette moment de lecture. Voilà, il me reste à peu près ça comme page à lire. Un petit unboxing. Alors, j'ai reçu un colis, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je pense que c'est peut-être un colis qui me vient des éditions Le Duc Ezo. Puisque le format du colis s'y prête, donc je vais ouvrir ça avec vous. Il est vraiment pas très gros, donc je suis pas sûre que ce soit un livre à l'intérieur, je ne sais pas. Hop. Ah, c'est un oracle. Donc c'est un oracle qui s'appelle Les secrets de ton avenir, de Lorlaine Fantino et Cindy Blanchot. Hop. Donc 56 cartes. Et il a l'air très chouette, je vais l'ouvrir avec vous. Découvre la magie de la divination et apprends à prédire ton futur grâce à cet oracle qui répondra à toutes tes questions. Avec ses messages inspirants, l'oracle Les secrets de ton avenir allie prédictions et conseils. Il permet une guidance complète, rapide et intuitive dans tous les domaines de ta vie, sentimentale, familiale, financier, professionnel. Ton avenir n'aura plus de secrets pour toi. Clairement, en ce moment, j'en ai besoin. J'ai besoin de savoir que tout va bien se passer. Ou pas d'ailleurs. Ah, les illustrations, elles sont superbes. Donc déjà, vous avez les cartes comme ça, toujours la tranche des cartes. Et hop, ça c'est le derrière, elles sont collées. Mais alors, collées plus plus. Donc ça, c'est le derrière des cartes. Ça me fait penser d'ailleurs à la miniature et au logo de Pascal, donc d'entre deux pages. Et mais elles vont vraiment fusionner. Donc les cartes sont très 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 belles. Prendre du recul sur la situation. Vous avez toujours les envers comme ça. Une personne veille sur toi et te guide. J'aime beaucoup ce côté typo, etc. C'est hyper... c'est très joli. Octobre, dans un an, cette saison. En fait, on a plusieurs échéances. Donc, il va falloir que je peaufine ça. Mais je pense qu'il peut être très, très chouette. Février, une énergie masculine se fait ressentir. Dans un mois, proposition professionnelle à l'approche. Que de belles choses en perspective. Ben, merci beaucoup. Il va falloir que je la décolle, ça me stresse. Merci beaucoup à Le Duc Ezo pour cet envoi. Je suis hyper impatiente de le découvrir et de le tester, surtout en faisant un tirage. En ce moment, j'ai tellement peu de temps à consacrer à tout ça, enfin à ma vie personnelle de manière générale, entre le boulot, les travaux, tout ce qui va avec. Je vous avoue que la lecture, c'est compliqué, ça me manque beaucoup.
Non pas que je n'ai pas, comment dire, pas j'ai pas le temps, non pas que je n'ai pas envie de lire, c'est juste que j'ai du mal à trouver le temps et trouver l'énergie aussi. Donc, les oracles, c'est exactement la même chose. Pour l'instant, j'ai même pas le temps de me pencher dessus. Mais j'espère vraiment pouvoir y remédier assez rapidement. Et normalement, les choses devraient se décanter dans les prochains jours et les prochaines semaines, les prochains week-ends. Donc, je devrais pouvoir y voir plus clair et j'ai hâte que ça arrive. Voilà, du coup, j'espère quand même que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Pour cette mini semaine de vlog, je vais tâcher de faire mieux sur la semaine prochaine. Mais j'ai l'impression que je vous dis ça chaque dimanche. Toujours est-il que voilà, je suis encore là, je continue à vous faire ces vlogs. Parce que moi aussi j'y prends beaucoup de plaisir et que je sais que c'est un vrai rendez-vous du dimanche avec vous, du dimanche ou du lundi en fonction. Donc merci d'être encore là, merci d'être fidèle au rendez-vous. Et de mon côté, je vous souhaite comme d'hab de belles lectures, de belles découvertes et je vous dis à la prochaine.